hip hop get good got booty. Salut à tous ces fusions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien car aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur FIFA 16 et plus précisément sur la démo de FIFA 16 qui devrait sortir entre le 9 et le 10 septembre en fonction du pays. Donc ce qu'il faut savoir sur cette démo, c'est que désormais il y aura 10 équipes. Donc 10 équipes masculines et 2 féminines, pardon. Donc les 10 équipes masculines qui seront disponibles, ça sera Chelsea, Manchester City, Barcelone, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, le PSG, l'Inter de Milan, River Plate et Seattle. Donc ça fait 10 équipes à pouvoir tester, c'est vraiment bien. L'année dernière, il y en avait 8. Donc ils en ont rajouté 2 et je trouve que les équipes, elles sont vraiment bonnes. Il y a vraiment de très bonnes équipes, donc il y a moyen de faire de très bons matchs en attendant FIFA. Et la petite nouveauté que moi j'attends personnellement, je sais pas si vous aussi, mais il y aura également 2 équipes féminines, donc il y aura les États-Unis et l'équipe d'Allemagne. Donc je pense que ça peut vraiment faire plaisir à certains. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner le gameplay avec des joueuses. Personnellement, j'ai regardé la Coupe du Monde féminine et j'ai vraiment aimé. Donc voilà, moi je pense que ça peut être un plus dans les années à venir pour FIFA. Maintenant on va passer au stade. Donc pour les stades, il y aura le Borussia Park, le Santiago Bernabeu et le Century Link Field. Donc je vais vous mettre les images une par une, vous allez pouvoir les regarder. Donc je les redis, Borussia Park, Santiago Bernabeu et Century Link Field. Donc voilà. Ensuite pour le mode Ultimate Team, on aura le droit au FUT Draft Mode, mais ça sera la démo. Donc on pourra tester le mode Draft que tout le monde attend, je pense, car je pense que ça peut vraiment apporter un plus à ce FUT. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va finir sur les paramètres du match. Donc ça sera 4 minutes de match comme d'habitude en général, et il y aura le difficulté professionnel et champion. Donc pour le mode saison, ça sera l'automne et le printemps. Il n'y aura pas l'hiver ni l'été, donc ça c'est pas, à la limite c'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir tester le gameplay. Et pour la météo, il y aura la météo avec de la pluie tout simplement, et la météo avec rien, donc il n'y aura pas de neige, il y aura pas de... ça sera normal quoi, voilà. Et on pourra jouer par contre la nuit et le jour, donc je pense que ça peut être aussi pas mal de voir les effets de lumière, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à très très bientôt, ciao ciao.